matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous entamons une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 22 janvier 2024. Il se peut que je dise encore quelquefois 2023, mais excusez-moi, 2023 n'est pas très loin. Donc, comme nous avons eu l'habitude de dire pendant une année 2023, quelquefois, eh bien, je n'y pense pas et je redis 2023 au lieu de dire 2024. Voilà, je ferme la parenthèse. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, nous allons continuer avec ma mission de vie et je terminerai avec le secret au quotidien. Mais avant de commencer, merci mes anges. Oh, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, présentement et maintenant. Aujourd'hui, j'ai pigé changement. Alors, changement, on a peur quelquefois, n'est-ce pas, du changement parce qu'on est dans une zone de confort et on n'a pas envie d'élargir cette zone de confort. Et si vous pouviez, par exemple, partir à l'aventure de vous-même, les événements que vous avez traversés, eh bien, ne définissent pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Ils font juste partie de votre passé et vous pouvez vous recréer à chaque instant et tester de nouvelles activités, découvrir par exemple des nouvelles choses, un nouveau quartier, apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas, ou même partir en voyage seul. Osez partir, pourquoi pas à l'aventure, et faites l'expérience de vous-même dans l'inconnu, cet immense inconnu. Vous savez, votre âme a déjà vécu de nombreuses vies sur Terre, et vous possédez plus de ressources, de talents et de qualités que vous ne le pensez. Eh bien, en abordant la vie comme un jeu, vous vous autorisez, eh bien, à faire des erreurs, à choyer votre vulnérabilité, pardon, et à vivre pleinement. Alors, à quoi bon? Pourquoi arrêter de repousser à plus tard un projet qui vous fait vibrer? Pourquoi vous vous arrêtez? Par peur? Par manque de confiance en vous? Parce que vous allez sortir de votre zone de confort? Eh bien, présentement, ne repoussez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous avez un projet? Mettez-le sur pied et arrêtez de le repousser. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie et que vous aimeriez réaliser? Posez-vous cette question. Alors complétez cette phrase. Ce que je n'ai jamais osé faire et que j'aimerais faire est de... Et vous complétez. Ce que je n'ai jamais osé faire et que j'aimerais faire est de compléter cette phrase. Amusez-vous. Amusez-vous, pourquoi pas, à compléter cette phrase au moins 5 fois. Eh bien, en rêvant en grand et pas en petit. Si maintenant...
vous aimeriez, avec ce projet, partir en vacances, par exemple, voilà, tout simplement. Eh bien, mais faites-le, mettez-le en place. Si vous avez envie maintenant d'acheter, que ça soit une voiture, une maison, un terrain, mettez tout en place pour le faire. Ajoutez un sourire, hein. N'oubliez pas, sur vos lèvres, pour sentir cette joie d'être en vie, grandir naturellement en vous. Ne soyez pas fermé, que votre visage soit ouvert, avec un grand sourire. Et répétez-vous cette phrase. Terminez-la. Ce que je n'ai jamais osé faire et que j'aimerais faire est de ou est. Waouh, quel beau message pour commencer, n'est-ce pas? Le changement, l'aventure. Changement, l'aventure, sortir de sa zone de confort, mettre sur pied un projet, ce qui vous fait vibrer présentement. Alors, le mantra d'aujourd'hui, ça sera « Je pars à l'aventure de moi-même. Je pars à l'aventure de moi-même. Je pars à l'aventure de moi-même. » Je termine avec le secret au quotidien pour ce lundi 22. Il y a du bon derrière tout ce qui peut sembler négatif. Si nous savons qu'il n'existe que de bonnes choses, même dans une situation négative, alors cette dernière se transformera en situation positive. La majorité des gens éloignent d'eux le positif parce qu'ils ne voient que l'aspect négatif des choses. Et bien entendu, c'est ce qui devient leur réalité. Mais il n'y a rien de mauvais dans l'univers. C'est nous qui sommes tout simplement incapables d'avoir une vision claire de la situation dans son ensemble. On trouve la paix lorsqu'on sait qu'il n'existe que de bonnes choses. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse, portez-vous bien, à demain.